Je pense que c'est un bon exercice parce que ça a permis au chef de l'État de se prononcer sur un certain nombre de sujets d'actualité et de préoccupations de la population. Parmi le lot de personnes à inviter à cet exercice-là, il faut tenir compte de tous les départements, maintenant de toutes les couches qui composent la société. Cette sortie de son Excellence Patrice Talon éclaire déjà le peuple béninois parce qu'il a abordé plusieurs étapes, plusieurs domaines, dans la coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria, et sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Notre inquiétude, c'est qu'on puisse résoudre le problème de nos étudiants et ramener les universités qui sont supprimées. Qu'il aborde rapidement les problèmes sociaux. Aujourd'hui, nous avons problème d'électricité. Quand vous allez dans la Libourie, les gens font même toute une semaine sans l'énergie. Mais on ne peut pas parler du développement sans aujourd'hui l'énergie. Donc, sincèrement, nous avons des problèmes. Au niveau de la sécurité, si on fait le point de la sécurité aujourd'hui, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mort. Comment il peut faire pour que le Béninois se sente aujourd'hui en sécurité? Il y a problème là. S'il peut nous faire tout ça là, je crois que nous allons le soutenir. Et pour un peuple qui a soif de voir l'image de son président de la République, le peuple ne peut que trouver salutaire cette sortie. Au plan professionnel, cette émission, franchement, moi, je ne suis pas satisfait. L'occupation du temps d'antenne. Voilà une occupation qui a privé le peuple de ses émissions préférées. C'est vrai, c'est le président de la République. Nous voulons l'écouter. Mais nous avons des formats. On peut l'écouter pendant 15 minutes. On peut l'écouter pendant 25. On peut l'écouter pendant 45. Mais 2h30, c'est trop. Je me pose la question de savoir si le message est passé. Le panier de la ménagère souffre. La commerçante du marché d'Antokpa, du marché Azeker, ne vend plus. Que faire? Pour ce qui concerne l'emploi, que faire aujourd'hui? C'est d'appuyer davantage les universitaires, puisque ces jeunes-là sortent des universités. Il a voulu être à la tête de ce pays. Donc il doit être à l'écoute de tout le peuple béninois, de ceux qui l'aiment comme de ceux qui ne l'aiment pas. Laissez les préjugés, écoutez chacun, les centristes, l'opposition, ceux qui sont à la mouvance, pour mieux construire ce pays.